Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Bonjour les amis, nous allons découvrir ensemble des panoramas splendides. Nous partons à la découverte de l'espace naturel du sommet de Lure, qui se trouve dans les Alpes de Haute-Provence. Nous nous arrêtons à l'aire de la stèle, qui doit son nom à la stèle implantée le 22 août 1953, en souvenir de l'architecte du célèbre astronome de Provence, Godefroy Vandeline. Regarde ma sœur où on s'est mis. Ça vous plairait. On est tranquille. Bon, le soleil vient juste un tout petit peu de se cacher parce qu'il y a un tout petit peu de nuages. Mais franchement, là c'est le bon air. Et là-bas, c'est vrai, il n'y avait pas de vent. Il va sortir son drone et paf, le vent qui s'élève alors qu'il n'y avait pas un pic de vent. Non mais chaque fois qu'il va tirer son drone, tu peux être sûr que soit le soleil se cache, soit il fait un vent abusible. Non mais un truc, j'y crois pas. Regarde ça, on a une vue magnifique. Franchement, c'est le désert. Là, quand il doit faire chaud, on doit être au frais. On a combien d'altitude? 1700. Mais c'est magnifique. Ça y est, c'est bon, il est arrivé. J'ai volé son drone. Regarde, pas un pic de vent et il y a le soleil. Trop, trop bien. On va aller voir ce qu'il y a là-bas derrière. Regarde. C'est trop beau. Franchement, c'est un régal. Le sommet de Lure fait partie des espaces naturels sensibles, dont l'objectif est de concilier la protection des sites remarquables avec leur découverte par le public. Le sommet de Lure est un territoire naturel de grande qualité, qu'il est nécessaire de protéger en raison de sa fragilité. La montagne de Lure est l'habitat privilégié de la vipère d'Orsini, qui est le plus petit serpent d'Europe au niveau mondial. La vipère d'Orsini est rare et l'espèce est menacée d'extinction. Au sujet de Godefroy Vandeline, il créa en 1603 un observatoire météorologique et astronomique près de la ligne de crête du massif de Lure, bâtiment aujourd'hui disparu. À 1826 mètres, le paysage de Lure nous incite à l'apaisement et à l'émerveillement, avec une vue à 360 degrés. Sur place, de nombreux sentiers de randonnée. Classée réserve de biosphère par l'UNESCO, la montagne de Lure abrite une faune et une flore uniques et une grande diversité de paysages.
la montagne de Lure est le domaine des pierres sèches. Ces amas de pierres, installés par des bergers ou des randonneurs, indiquent un chemin, un sommet. Ils limitent les pâturages et servent certainement de repère en cas de mauvais temps. En grimpant en haut de la montagne, vous allez découvrir un relais de transmission, en plus de superbes paysages. Maintenant, on change de décor. On va découvrir le site médiéval de Cruas, dit le château des moines, situé sur la commune de Cruas en Ardèche. Le site est classé au titre des monuments historiques depuis le 3 septembre 1912. Cet imposant édifice est partie intégrante d'un bourg central où se retrouve une basse-cour, écurie, cuisine. L'ensemble est protégé par une enceinte. En contrebas du château se développe un village entouré d'une seconde enceinte. On peut admirer de nombreuses maisons gothiques. Aujourd'hui, la municipalité de Cruas est propriétaire de l'ensemble du site. Un merveilleux site médiéval à découvrir.
Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. On espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre chaîne et d'actionner la petite cloche pour ne pas rater la suite de nos vidéos. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous laisser des commentaires sous la vidéo et de nous mettre un petit pouce, ça nous fera toujours plaisir. On vous dit à bientôt pour de prochaines découvertes.